Ce que je vous demande, c'est de me raconter très précisément ce qui s'est passé. Ben, on est arrivé dans le tromé, et là-bas, il y avait des raclavots tout chelous qui commençaient à indiquer la minge de mon ref. Je crois qu'ils étaient dans le métro, et là, des types... Ouais, qui mataient la meuf qu'il fallait pas, quoi. Une bavale. Une bavale? Une be-bavon. Une balle, si tu veux. Une be-bon. Tellement elle est belle, si tu la vois, tu t'arraches les veuches. C'est clair, non? Bien, et ensuite? Regavard sur regavard. Je me lève, je la vis. Qu'est-ce qu'il y a au Nambo? Je comprends rien du tout. Vous pouvez pas parler à l'endroit? Normal, on est à l'envers, là, madame. Si tu me laisses ta place, moi, je parle comme toi. Si t'as besoin d'un sous-titre, c'est pas mon blême. Non, écoutez, c'est pas mon blême non plus, hein? Donc on va s'arrêter là. Il était fonce d'Arès, la race de Mavor. Je vais sur l'abîme, super vénère. L'autre enculé était défoncé, j'y vais super énervé. Et le que blabla après, il m'avait pas attarpavé comme ça sur la tête devant tous mes sabots, le rat. Il me braque un flingue sur la tête, le noir, devant mes amis, le rat. Il m'a manqué, je l'ai planté, un point partout. Basta. Quoi? Quoi? Putain, mais il avait un calibre. S'il mettait une bastos, dis-lui, j'étais mort. Qui c'est qui serait venu pleurer sur ma tombe après? Hein? Ma mère. Ou la mia tepke, ou la homie tepke. Que sans mère pleure, plutôt que ma mère pleure. Voilà. Bon.